J'ai trouvé que cette matinée était très riche et très intéressante. Les étudiants en fait, de Modart ont présenté des travaux très complets. Et de leur lookbook à leur inspiration jusqu'au produit, en fait, c'était vraiment très bien construit. Dans cette école, ce que j'aime bien, c'est que justement, c'est ça, c'est que voilà, on leur apprend, c'est pas uniquement du stylisme, on leur apprend un peu tout, et ça, je trouve ça formidable parce que c'est pas le cas partout. J'ai vraiment senti une énergie créative autour du sportswear, autour du mélange des codes et des univers de vie. Et ça, je trouve ça très intéressant, on est en plein dedans. Il y a quelques collections qui sont évidemment détachées par rapport à certaines, des coups de cœur, bien évidemment. Ce matin, moi j'ai vu beaucoup d'étudiants déterminés avec une très belle approche du modélisme. J'ai été assez impressionnée par leur dossier technique, surtout leur capacité à joindre le stylisme et puis les finitions. J'ai vu en tout cas un process assez certain sur toute l'année des cours qu'ils ont suivis, puis une corrélation à mon avis assez forte entre les différents intervenants au sein de la section de création, puisque depuis les échantillons de maille jusqu'à la silhouette finale, je pense qu'il y a une grande cohérence et puis beaucoup de recherche. Par le niveau, par leur capacité à pouvoir présenter dès la fin d'une troisième année, dès la fin de leur école, présenter des tenues qu'on peut presque retrouver aujourd'hui en boutique. Ils ont fait attention à tout, à l'allure générale, à la silhouette, aux matières, aux finitions, aux détails. Certains ont même rajouté des accessoires. J'ai trouvé qu'il y avait une vraie prise de risque, une vraie énergie, un très gros talent sur certains profils d'illustration, beaucoup de sérieux dans les présentations et les dossiers. On a sur les trois coups de cœur des collections quasi commercialisables, avec une vraie logique, un vrai fil conducteur de collection, une étude de prix qui commence à, on va dire, émerger, donc c'est intéressant. I chose initially Modart because I was looking for somewhere in Paris and I love how they've offered both dressmaking, sewing and design at the same time. A lot of the other schools I were looking at, it was only design or only dressmaking, and Modart looked like a really reality, it looked like a really good merge of both of these worlds. Ils ont fait attention à l'air du temps, c'est-à-dire à savoir à qui il présentait. C'est-à-dire la femme d'aujourd'hui, elle est particulière, elle doit être à l'aise dans ses vêtements, elle doit pouvoir bouger 20 heures sur 24. Donc c'était plutôt assez étonnant, et bien sûr, si on y ajoute un peu d'originalité, un peu de matière inédite, ça fait de très belles choses. C'est vraiment une chance vraiment super de pouvoir vraiment voir l'aboutissement de ces trois années. Vraiment choisir les matières qu'on veut, les couleurs qu'on veut, quel style on veut donner, qu'est-ce qu'on veut faire passer comme message. Donc c'est vraiment, vraiment un aboutissement magique de ces trois ans à Modart. C'est la première fois que nos silhouettes vont apparaître sur scène, nos créations. C'est extraordinaire pour nous, c'est un rêve qui se réalise. Mais je pense pour chacun d'entre nous. Thank you.
Thank you.